c'est-à-dire que je pars de la ligne, et après, je transforme la ligne en symbole, que c'est la femme, c'est la pomme, ici c'est une pomme-femme. C'est-à-dire que la femme, c'est le symbole de la fécondité, la pomme aussi, c'est biblique. Et ma peinture, il y a de l'esthétisme, mais il y a autre chose, il y a un côté surréaliste, un côté de mystère. Et nous, on est dans un environnement bordélique de la couleur, et c'est pour ça que des fois, l'homme, il sent des angoisses qu'il ne peut pas comprendre. Et l'artiste, il lutte pour l'harmonie, quoi. Et l'harmonie, c'est devient un engagement politique, quoi. Et la peinture, c'est pas une vérité, mais c'est pas un mensonge non plus, c'est être autre chose. S'il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de vie, parce que tout est imaginé. Même la chaise que je suis assis, il était imaginé pour quelqu'un. Et l'artiste doit avoir un rôle social de l'imaginaire, que c'est très important, l'imaginaire.